انا هنتكلم لك على واحد النقطه تخص من مخرجات المكتب الفيدرالي الاخير واللي تتمثل في تعيين خليه مهمتها اكتشاف المواهب. الشخص اللي يعينه هو محسن حمور وهو شاب جزائري معروف ممكن للجميع زملاء محسن حمور. محسن حمور محسن هو جزائري هو شاب جزائري منا هو يعني هوايته من زمان كانت يعني متابعه اللاعبين الشباب المغتربين. هل تعتقد أن تعيين أشخاص أكفاء حيساعدكم مستقبلاً في إقناع اللاعبين المغتربين في سن صغيرة باش يمثلوا المنتخب وهذا حين حيكم يعني مشكل يعني إقناع لاعب يعني في فترة ممكن نقوله يعني لما يوصل يلعب في المنتخبات الشبانية أفضل من أن نقنعوه لما يصل يلعب المنتخب الأول. Il y a une problématique à la Chine, dans le français, parce que Ben Kun me date. Il y a une problématique qui ne doit pas vous échapper sur un sujet assez sensible. C'est que ces joueurs-là, il a une jeune dôme, très jeune. Ça va compliquer leur situation en club. On a pu le voir avec le joueur de Nantes, dernière Cannes, U17, je crois, et sur lequel ça a été. Donc je ne pense pas que ce soit une... Allah alam, je ne suis pas dans... je vais pas me substituer à ceux qui ont l'habitude de travailler avec les jeunes. Mais je parle d'une chose que je connais assez, puisque j'étais dans les centres de formation. J'ai fait tout le processus d'un centre de formation. Je suis rentré à l'âge de 14 ans, j'en suis sorti à 19 ans au Paris Saint-Germain. Donc je sais que quand on est comme ça, dans des sélections différentes de celles du pays dans lequel on est formé, ça complique un petit peu les étapes. Sans rentrer dans les détails, parce que j'ai peur que ça puisse faire une polémique et ne pas aider avec les joueurs. Donc, en tous les cas, c'est à prendre en considération. Ça, cet aspect-là est à prendre en considération. Nous, l'intérêt, ce n'est pas Ben Jun casser une dynamique de formation des joueurs. C'est une vraie problématique, parce qu'on aimerait profiter de ces joueurs-là qui ont plus un domaine avec le hub watani et qui ont envie de, comme les U17 qui sont venus, comme tous ces joueurs qui ont fait la Coupe arabe, ou là, ils ont... Je sais qu'ils ont envie de nous rejoindre, mais est-ce que c'est utile et bon pour l'exemple même de ce que je suis en train de dire, c'est le joueur de Nantes. Et je n'ai pas attendu qu'il lui arrive un problème avec ce problème-là pour comprendre ça. Je le savais. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir et être vraiment, vraiment intelligent et savoir ce qui est utile de faire.